Bien, nous sommes donc près d'un solvanier qui est dans un arboretum à Coulaines. Cet arbre-là est une niche écologique parce qu'on trouve énormément d'insectes, d'espèces différentes. On trouve des lépidoptères, donc les papillons, de toutes sortes. Hein, j'ai vu tout à l'heure un pan de jour, les vulcains, etc. On trouve aussi énormément de pucerons parce que c'est un arbre qui émet pas mal de sève sève sucrée. On trouve des coccinelles évidemment pour les pucerons et plein d'autres d'insectes diptères ou hyménoptères, genre guêpes, mouches, abeilles, etc. etc. Alors je rappelle pour la classification que donc au niveau de la taxonomie, les plus grands groupes d'animaux, ça s'appelle les embranchements. Par exemple, on a l'embranchement des vertébrés, l'embranchement des arthropodes. Donc là, ce qui nous concerne, c'est l'embranchement des arthropodes. Ensuite, un groupe plus restreint, qui a donc un embranchement qui regroupe plusieurs classes. Et là, on a la classe des insectes. Donc les insectes, hein, c'est des animaux arthropodes qui ont 6 pattes. On trouve également les chélicérates, qui sont les animaux arthropodes à 8 pattes, surtout à 8 pattes. Et donc voilà, donc la classe des insectes, et là on est dans l'ordre des hyménoptères. Alors une classe, ça contient plusieurs ordres. Les hyménoptères, c'est donc tous les insectes qui sont, surtout avec des aiguilles, hein, qui ont un dard, les guêpes, les abeilles, les frelons, les bourdons, etc., etc. Donc là on devrait voir quelques frelons asiatiques. Donc ce qui nous intéresse, ça, ce sont les frelons asiatiques. On devrait pouvoir en voir. Voilà. Voilà. Donc les frelons asiatiques, c'est une espèce qui est invasive qui est arrivée en France au cours des débuts des années 2010, dans ces environs-là. Donc sans doute à cause de ce qu'on appelle la mondialisation, hein, les gens ont dû ramener ça par inadvertance. Ça a conquis tout le territoire de France. Mais les inquiétudes sont surtout venues de la part des apiculteurs, donc les éleveurs d'abeilles pour le miel, qui ont remarqué que les frelons asiatiques s'attaquaient aux ruches, notamment aux larves d'abeilles. Alors, donc il y a plusieurs méthodes qui existent pour lutter contre ça, contre cette menace au niveau des ruches. Il y a des apiculteurs qui ont remarqué que les poulets ils gobaient les frelons asiatiques en vol quand c'était en vol stationnaire, parce que les frelons asiatiques ils volent en vol stationnaire tout comme le font les sirfs. Il y a un autre prédateur qui est un diptère, donc une mouche qui s'appelle le Conops vesicularis, qui pond des œufs dans les larves de frelons asiatiques, et donc il est parasite. Un autre prédateur naturel, mais cette fois c'est une plante, ça s'appelle la Sarracenia. C'est une plante carnivore qui vit surtout dans les marais des États-Unis, donc c'est pas une espèce locale. C'est pas trop recommandé d'utiliser cette technique-là. Ou alors, la meilleure technique qui a été employée jusqu'à maintenant, qui a prouvé son efficacité quasiment à 100%, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une muselière, c'est-à-dire un grillage qui compose à l'entrée des ruches des abeilles, pour que les ruches puissent rentrer, pour que les abeilles puissent entrer et sortir, mais pas les frelons, parce que on fait en sorte que le grillage ils aient des mailles suffisamment un diamètre suffisamment fin pour pas que les frelons puissent rentrer. Et comme les frelons s'en prêtent surtout aux larves d'abeilles, donc cette méthode là est efficace. Alors donc les frelons asiatiques ou européens font partie de la classe des hyménoptères. On a également les frelons européens. Alors on les reconnaît, les frelons européens, ils sont plus jaunes, ils ont les pattes noires et jaunes avec des parties oranges. Et eux par contre, c'est une espèce qui est protégée en Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est un vrai auxiliaire du jardinier, il s'attaque à tout type de prédateurs. Donc la plupart des guêpes et abeilles, la plupart des guêpes et frelons en fait, sont des insectes qui sont utiles parce qu'ils s'attaquent à tout type d'insectes pour nourrir les bébés frelons ou guêpes. Donc ça s'attaque aussi bien aux mouches, ça peut être des pucerons, d'autres guêpes, ça peut être plein d'autres insectes comme ça. Donc le frelon européen est considéré comme le rapace du monde des insectes. À cause de ça.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les frelons asiatiques? Alors, les frelons asiatiques constituent des nids qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de haut sur un diamètre d'une cinquantaine de centimètres. J'en ai vu un l'an dernier en 2015 tout en haut d'un énorme platane à Kulen. Il a une hauteur de 25 mètres, donc c'est des nids qui se font en pleine lumière. Contrairement aux nids des frelons européens qui, eux, se font dans l'obscurité. Alors, les nids des frelons asiatiques, ils peuvent contenir jusqu'à 2000 individus. Et parmi les 2000 individus, il peut y avoir jusqu'à 500 futures reines. Mais sachant qu'en hiver, la plupart des frelons et des guêpes, elles meurent de froid, mais cela reste en vie, en fait, les ouvrières. Les ouvrières, enfin, pas les ouvrières, les reines, les futures reines qui donneront naissance à soit des ouvrières, soit d'autres reines, soit des faux bourdons. Alors 2000, des nids de 2000 individus, effectivement. Ça ressemble, la forme du nid est à peu près, ça forme comme une sorte de sphère allongée du bas vers le haut. Alors contrairement aux nids des frelons européens qui, eux, vont de 100 à 200 individus, donc c'est beaucoup moins. Mais en même temps, le frelon européen, lui, il a une répartition de 1500 mètres carrés autour de sa ruchée. Et il s'attaque à tout type d'insectes, y compris au frelon asiatique. Donc le frelon asiatique trouve une forte concurrence par rapport à ça. Mais voilà. Donc il arrive qu'on puisse voir des frelons qui se battent entre eux. Même des frelons asiatiques entre eux, ça arrive couramment. Là, on en voit un, là, actuellement qui est sur une feuille. Alors on va la voir là. Hop, elle est là. Il est sur la feuille là. Hop, ah bah il est parti, il s'envole. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors donc les hyménoptères, les guêpes et les frelons, de quoi ils se nourrissent? Alors en fait, comme vous le savez, il existe des guêpes, comme les guêpes chasseresses dans les déserts qui pondent des œufs dans des araignées. Enfin, ils paralysent des araignées d'abord et pondent des œufs dedans pour que les larves puissent avoir de quoi se nourrir. Donc l'araignée est paralysée, elle se retrouve bouffée de l'intérieur en étant vivante. Tous les hyménoptères, enfin ce qui concerne les hyménoptères guêpes et frelons, ça agit un peu de la même façon. Hein, c'est-à-dire que les petits sont nourris par des insectes qui ont été tués, des insectes ou d'autres arthropodes d'ailleurs, puisque je parlais des araignées, qui sont tués et qui servent de garde-manger aux futures larves qui naîtront des œufs. Donc les frelons asiatiques, quand ils sont en bébé, l'état larvaire, ils se nourrissent ils sont carnivores, hein, clairement, puisque les adultes leur apportent quoi manger. Et par contre, quand c'est à l'état adulte, donc à l'état imago, ça se nourrit que de végétaux. Enfin, surtout de matières sucrées, d'ailleurs, comme on le voit chez nous, pour les frelons, les guêpes et les abeilles, les guêpes communes, là, et les abeilles, pas les guêpes, pas les abeilles, mais les frelons européens, ils se nourrissent beaucoup de sève sucrée, comme on le voit sur ce saule vanier. Donc concernant la dangerosité des frelons, alors elle est surestimée. Hein, regardez, par exemple, moi je peux mettre ma main dedans, je vais pas me faire attaquer du tout. Vous voyez, hein, je peux même bouger les arbres et tout, ils viendront pas m'attaquer. Il y a pourtant une bonne vingtaine d'individus dans le coin là, mais ils vont pas m'attaquer. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est s'alimenter au niveau du sucre là. Mais par contre, c'est sûr qu'il est certain que quand on s'approche d'un nid à moins de 3 mètres, ils vont attaquer. C'est comme si nous-mêmes avions une nurserie et puis qui se faisait attaquer par des lions. Donc je disais, c'est comme si nous faisions attaquer par comme si une nurserie se faisait attaquer par des prédateurs. Alors quelle est la dernière information que j'avais à donner? Oui, alors, donc je disais que les frelons à état adulte, c'est pas dangereux, ça nous attaque pas. Et en plus, les piqûres, elles sont beaucoup moins dangereuses que ce que l'on pense. Des études ont été faites, des études épidémiologiques, pardon, sur les effets des piqûres de différents hyménoptères, notamment en comparaison entre le frelon et l'abeille. Et il se trouve que il faut 150 piqûres de frelons
pour que ce soit une dose létale à 50%. C'est-à-dire que sur 100 humains, il y en a 50 qui meurent si ils ont reçu au moins 150 piqûres de frelon. Tandis que au niveau des abeilles, il n'en faut que 60 pour que 50% des humains meurent. Ce qui veut dire que la dose de venin des abeilles est beaucoup plus puissante que celle des frelons. À peu près à 2 à 2,5%. 2,2 à 2,5 fois plus puissante que celle des frelons. Donc voilà, des légendes urbaines qui n'ont pas lieu d'être. Les frelons, c'est utile, tout comme les abeilles, tout comme les guêpes, enfin certaines espèces de guêpes. Voilà. Donc voilà, je vais terminer ce film-là parce que bon, il y a eu pas mal de minutes de passé, puis vous avez eu pas mal de frelons asiatiques circuler là. Vous voyez, j'en ai encore une là, je vais essayer de la caresser, je peux même presque la toucher. Elle va rien dire. Ouais. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est pas dangereux du tout. Et j'espère que ce documentaire vous aura apporté beaucoup d'informations sur les frelons asiatiques, sur les frelons européens. Là, j'en ai pas eu de frelons européens, mais parce qu'ils sont, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les nids de frelons européens, c'est de 100 à 200 individus, donc c'est beaucoup moins dense que les frelons asiatiques, qui en ont jusqu'à 2000. Et par contre, les ruches, les essaims d'abeilles, ils ont jusqu'à plus de 80 000 individus. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, puis je vous dis à très bientôt pour un autre film, un autre documentaire. Au revoir.